Nick Toshies, l'auteur du Roi des Juifs, traduit en français aux éditions Albin Michel, c'est d'abord une gueule impressionnante, celle d'un dandy glacé à l'ironie mordante. Au reste, en exergue de ce dernier ouvrage, ne cite-t-il pas cette forte pensée du gangster Lex Diamond, proférée en 1931 « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» En réalité, Nick Toshies est un styliste, un investigateur méticuleux, capable par exemple de nous raconter en romancier la carrière de Dean Martin comme acteur et comme chanteur. Ici, il s'attaque à la pègre new-yorkaise des années 20. Et ce, au travers d'un personnage tout ce qu'il y a de réel, un certain Arnold Rothstein. Voici le début du texte, on en appréciera le ton. Jadis, au temps où New York vivait et respirait, un homme y fut marqué par la mort comme nous le sommes tous. Il avait pour nom Arnold Rothstein, était lui-même le seul dieu qu'il vénérait, ainsi qu'un grand homme et un grand pêcheur. Je ne suis là ni pour composer une élégie à cette ville qui vivait et respirait, ni pour chanter les louanges de cet homme. Ce qui est mort est mort. Je ne suis là, comme lui, comme nous tous, que pour gagner ma croûte. Alors que le récit commence, car j'ai de nouveau une folle envie de racheter ma liberté lasse et fuyante à cet endroit perdu et écroulé. Nick Toshies nous emporte donc dans le milieu juif new-yorkais, au cœur des affrontements entre gangs rivaux venus d'Italie, d'Irlande ou d'Europe centrale. Tel un Suétone, l'historien latin de la dynastie des Césars, dont il se réclame explicitement, il plonge dans les rapports de police, les pédigrés familiaux, les règlements de comptes sanglants. En bref, il explore la grande cité mafieuse, le melting pot américain, ce mélange d'influences bibliques et de pulsions sauvages. Écrivains, gangsters, hommes politiques se mêlent en un précipité plus que tonique autour des Roaring Twenties, ces années 20 de tous les excès.